Bonjour, comment s'est la session du jour? Et c'est parti. Elisa au motel. Comme vous m'avez probablement pas entendu, je répète Elisa au motel. Au cas où vous m'aviez pas entendu, Elisa au motel. C'est dingue ça, personne m'entend. Ah, allô? Oui, personne répond en radio? On est en échange là avec les Lost. Ah d'accord, ok. Comme j'ai vu la Dominator et le Camacho sortis, je me suis dit que c'était forcément là, et comme personne répondait, je t'ai appelé. Ok, bah, okay. On fait l'échange et on arrive. Ça marche, je vous attends au motel. Salut! Ça va? Ça va et toi? Ça passe. Viens de changer, t'aurais dû me dire, je serais venue te chercher. Mais j'ai fait l'écho radio, mais j'ai l'impression que personne m'a entendu. Ah pardon, je me suis changé, mais j'ai... Oh putain, j'ai pas répondu, pardon. T'inquiète, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Ça fait petit footing matinal, hein. Et comme les autres sont en échange, je me suis dit, j'en profite, je vais me changer. Tu penses que ça pose un souci si je porte cette tenue-là en tant que 3? Non. Enfin, tant qu'on fait rien d'officiel, je veux dire, tant qu'il n'y a pas d'échange et tout. C'est ça, tant qu'on n'est pas sur des trucs officiels, je vois pas pourquoi ce serait un problème. Ok. Tu sais qui d'autre est en échange là ou... Le chef Elisa Poleroni. Ok. Je crois. Ok. Du coup. On aimerait, avec James, faire le cadeau de Ronnie ce soir. Donc, je pense. J'ai pas tellement parlé de ça avec Brandon, mais je pense que ce serait cool d'être en mode on va au concess, ils y vont en GTO parce que Ronnie adore la GTO, et une fois là-bas on lui offre la V12. Tu vois un souci avec le plan? Avec ce plan-là? Non, non, pardon, c'est que je réfléchis. Non, pas de problème. Pas de problème. Bah moi, aucun. Ok. Ok. Dans ce cas-là, je vais envoyer ça un peu tout le monde. Bonjour! Ah. Et Jane. Je reviens. Salut.
connais pas Jane. Bah, si, elle était là, elle est ressortie. c'est Jane ou non, c'est le chef. Ça, c'est le chef, elle est où? Ça va? Oui, 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 y'a pas de soucis, c'est moi. Ouais. Le mec, je me suis jeté dessus carrément, donc y'a aucun souci. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Jeff, ils ont votre sang sur le parcheur quand même. Non, mais y'a rien eu. Par contre, Revan, c'est le timing de dingue, c'était les Lost. Hein. Les Lost ont tenté d'assassiner le chef, apparemment. Ah bon et... Oui. Mais dis quoi? Ouais, salut Brendan. Ouais, on est tous là, bordel. Salut Brendan, yo. Salut Jane. Ah bah salut. Salut Brendan. Et... comment ça va? Resplendissant. Ça va et toi? Non, du coup. Bah, super. Ouais. Attends, bien sûr pour les musiques. Je... Oui. Ok. Ouais, je sais, les chaussures sont pas raccord, faut que j'aille changer. On est d'accord. Oh, ouais, ouais, et moi, je pense que je voudrais rajouter un Bob. Parce que j'en ai un de Bob qui irait parfaitement avec les tenues. Non, mais regarde. T'as d'ailleurs joué hop ça. Là. Ouais, mais tu peux faire Bob, Bob et la capuche. Comme ça? Ça va là, non? Ouais, 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 je sais pas, c'est tellement funky. Si, c'est vrai que c'est un masque très tacos. Ah bah voilà, mais oui, c'est vrai. Alors avec tacos. Une capuche, il est. Spécial. Expérimental. Avec le bonnet, on sait que c'est un monstre. Maudit. Ouais, je mettrai pas la capuche. Mais la tête de tacos, c'est beau. Comme ça, je passerai incognito. Je pourrais crier chouchou, beignet, hot dog. Non? Le tacos gang. Mais de ouf. T'es achète mon tacos ou je te marave. Ah, bien vu. Faut qu'on l'emmène au niveau du tacos à côté de Forum, il va aimer. Hein. Ouais, je exactement. Tout qu'on l'explique. Attention, je fais du cosplay de Brendan dans la démarche. Alors qu'il y a plein de gens en journée, hein, bordel. Hein. Ah mais non, comme mais... c'est un anneau, t'as juste à faire le tour en disant, puis dès qu'il y a les flics de coupe au milieu, ils peuvent pas te suivre avec les caisses, ils sont perdus. Ah non, mais maintenant qu'on va en moto, j'y vais assez souvent et c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas... ça vaut pas la plage ou la fête foraine, mais pour des arrêts sur 5 minutes, c'est cool. En 9000 avec le J, les clients sont finis. Et puis en moto, ouais, quand ouais. Tu te déplaces, oui, c'est pas mal. Ouais. Et que je vois pour m'en prendre une de ces quatre. Tu veux que je te frappe? Pour quoi faire? Ah, pourquoi tu veux en prendre une? Bah, parce que c'est pratique. Ça de fait se prendre mal. Une tarte. Non, de moto. Ah! Je sais pourquoi Paul il veut se faire frapper, pardon. Non, peut-être il aime le sein, mais excusez-moi. Ça va en fait, Liam, ton genou? J'ai oublié de te demander. Raconter des trucs, j'ai rien. Qu'est-ce que je veux non, j'ai pas dormi de la nuit parce que j'ai mal. Sa mère, ça fait mal. Ah, bah, Mouna s'était pas trompée. Elle m'avait dit qu'à chaque fois que tu vas marcher, t'as l'impression que ta jambe elle va genre juste. Lâcher. Super. C'est bah, bon, j'ai 80 balais. Et du coup, bon, quel... t'as toutes les informations que tu as sur la mer. Tu... Et du coup, je combien... crois que elle est venue me casser les couilles en fédé. Combien sinon, va coûter le... combien va coûter l'opération? Parce que là, je sais, pense pas. Est-ce que tu vas pouvoir faire ça? Ah bah non, là, elle a fait une opération locale hier. Elle a remis les ligaments. Je dis c'est à moitié croisé, pas déchiré, d'accord, mais okay. Un peu croisé. Et oui, non, elle m'a parlé d'une opération, mais ça a coûté cher, donc bon. Combien? Bah, c'est pas. On bah... sait que de base, rien que la prothèse, c'est 30 000, alors bon. Bah voilà, ok. Eh ben, on fera ça. Hein. On peut pas vraiment passer à côté. Franchement, c'est littéralement ce que. C'est moins que ce qu'on a fait avec ton hier. Chacun. Ouais. Donc on a un peu bas les couilles, 30 000 euros de fil. Puis bon, on va pas dire non. On va pas mettre 30 000 pour Liam, on va mettre 30 000 pour un moteur. Ouais, c'est clair. Genre. Voilà, ça sert plus. Bah non, ah mais bah, non. Bah non, c'est cool. Salut, voilà, le turbo du merci pour le follow. Bienvenue sur le live. Échec sur ce argument, je peux en convaincre deux. Mais je pense pour le turbo de la GTO, on a moins 4 ou 5 genoux pour Liam à ce prix-là. Bon, bah écoute. Au moins. Ah merde, il en a que deux. Bah, m'a dit c'est soit la telle et la grosse attelle et la canne, soit c'est le fauteuil roulant. J'ai dit c'est hors de question. Hors de question qu'on travaille en fauteuil roulant toute la journée. Mon rêve de te balader tout le temps, bro. Oh là là. Je te jure, je te roule dessus. Et bah, essaye, bro, moi j'attends que ça. Ah bah je vais te foutre des coups de canne dans la gueule. Là là là, ça commence à devenir bizarre, Ronnie. Arrête, y'a tonton, il m'a déjà envoyé faire un IRM. Non, c'est pas de sa faute. Ça commence à devenir un peu bizarre, Ronnie. Désolé, mais... Bah vous. Bon, du coup, on est prévu d'aller faire des supérettes, mais là, on va être un peu set. Oui. Oui. Du coup, on va faire une banque. Nickel. Ouais.
tout Clem, il est en parfait état pour Chouf, c'est nickel. Moi, ça me semble bien. Oh là là, de ouf, je me mets devant l'aspirateur, qu'est-ce que je voulais, mon petit con ? Je veux dire, ça passe. Oh, parfait. Moi aussi, je peux chouer. Ah, quelle imitation. Ah, mais moi aussi. Oh putain, il m'a couru que la foyer, je peux pas le conduire. Brandon, est-ce que quelqu'un sait si Edgar sera là ce soir ? Qu'une idée. Non. Une idée. Et pour Gemma ? Mettez-vous un peu, j'ai rangé la... Gemma, possiblement plus tard, ça peut arriver qu'elle se lave un peu tard. Ok. Liam, tire ton Akuma, s'il te plaît. Je te rappelle où elle a fini mon Akuma. Tu veux une Akuma ? Faut juste aller la chercher. Ah oui, c'est bon, on va donner la même. Bah super, mon Akuma est rogné. Génial. Elle est pas frayeur ? Pas de commentaire. Ok. Bah, je que je vais être d'une utilité incroyable aujourd'hui. J'ai envie. Oh. Mais bordel ! Tu voulais pas te mettre encore plus près tant qu'on y est ? Du premier coup en plus, hein. On a... Il m'a vraiment lancé la boule de neige dans la gueule avec un de ses dédains en mode tiens, bouffe ça, connasse. C'était vraiment. Mais c'est enfant. Le pire, c'est qu'il est content. Vraiment ? Tu peux lui en mettre une, hein, je dirais rien. J'aime pas la violence, mais là tu peux. Bon, là c'est mérité. Arrête ou... Par contre, tu veux vraiment repasser un IRM ? Elisa, tu peux lui en coller une, là c'est bon. Non, mais attendez, il a passé un IRM donc juste avant. Hein. Oui, mais on s'en branle. Oui, je suis un handicapé, j'ai des lunettes, vous pouvez pas frapper, oui, nanana. Mais... Oui. Gina. Merde. Et merde. Jette le halo. À l'aide. Au secours. Mince. On a fait tout. Tu on t'a informé ou pas, Liam? Oh, on m'informe jamais de rien. Bonne remonte. Bien fait! A l'aide! A l'aide! On me torture! On veut me jeter à l'eau! Je suis pas prêt pour le grand bain! A l'aide! Ouais, alors, je sais que je vais faire fontage, t'inquiète, j'ai compris. Attends, déjà, est-ce que blanchiment, on a fait quasiment 310 000, tout ce redline, on a fait 140 000. 340 000 le 20, donc il y a deux jours, quand t'étais pas là. On a acheté 3 pistes de combat. On a blanchi un demi-million là depuis que ça a été ouvert. Ouais, c'est ce que je viens de dire, c'est les 340 000 plus Saudir aussi. On a fait 100. On a fait combien hier? Je m'en rappelle plus. 150 et du coup on a rentré 132. D'accord, ok. Alors, on a plus ou moins 500 000 en deux jours, enfin en blanchiment. On a pas en moins de 24 heures au final. Ouais, la chasse à l'homme et tout, mais ça on sait pas trop vraiment où ça peut aller. Il y a un truc hier. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? On avait fait un échange de Lost à l'heure, mais je pense qu'on a fait. Ah si! Fin de semaine, on s'est dit qu'on allait faire 10 000 de pochons de coque. Et ensuite, on va vers sur le cartel, comme quoi le point était un peu. Su de l'Espidi. Et comment ça, il est su par le Lesbi? Alex nous l'a dit. Ah! Ouais, t'étais peut-être pas encore arrivé quand. Ah, c'est possible, je devais encore être avec Stani qui essaie de me convaincre de faire de la réinsertion. Courageux. Et ouais, du coup, voilà, c'est pour ça. Ok. Après, comme dit, en fait, c'est que là, si j'envoie un message au cartel qui me disent qu'ils le déplacent, ils vont pas, ça va pas mettre non plus 2 semaines à être dépassé. Au contraire, ça sert même assez vite. Après, vous pouvez aussi mettre dans le dark web hier qu'il y a un bolos qui s'est pris pour un bouquetin et qui a fait une chute de 30 mètres dans la montagne. Et qui peut pas conduire pour. Qui avait déjà des problèmes de genoux depuis un moment, mais. Et qui du coup peut pas conduire jusqu'à une durée indéterminée. Très drôle. Voilà. Bonjour, attendez, je vais faire un truc juste avant. On va faire un truc à compte de faire les braquages. C'est vrai que. J'ai reçu un truc qui est pas con. Quoi ? Là maintenant tout de suite ? Ouais, on va faire maintenant. Ok.
Oui, mais... Mais pour qui? Je vais être honnête. Ça sert à quoi? Mais c'est trop classe. Oui, non mais... Elle va nous servir à quoi? Je t'envoie un petit message. Ah oui, ok. 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 Bah tiens, vas-y, monte avec Brandon, Rudy. Sera content. Oui. En gagnant 1000$. Bon, si on est que là, bah non, on est 3. Sinon, j'allais dire Dominator. Bon, c'est obligé de garer les motos devant. Franchement, tu peux la renverser, elles sont plus là qu'on va au devant. Non, je crois qu'il y a celle de Brandon. Ouais. Attends, au pire, je vais prendre celle de Brandon au cas où. Pour pas que ça fasse rien. Range sur Dominator aussi. Non, bah du coup, j'y vais en Dominator. Le seul truc qui lui manque, c'est un beau bruit de moteur. Tout le reste, sinon, elle serait parfaite. Oh, j'ai tellement tenté de la prendre, la Zentango. J'avoue que... J'avoue. Ça va? C'est ta moto au cas où elle était en fourrière, on sait jamais. Ça va, du coup? C'est vrai que j'ai sorti, je l'ai pas rangé. Merde. Ouais, t'inquiète. Ça va du coup, le... James? Quelle est cette horreur? Est-ce que ça va du coup, James? Hein? Ça va du coup? Ça va? Bah oui, tu as dit que t'étais fait quasi pit. Ah ouais, non mais oui, parce que si je me serais fait pit, je serais plus là pour en parler quoi. En moto. Pourquoi il n'y a toujours pas d'Evron? Bonne question s'il en est. Bonne question s'il en est. Mais avec ou sans flash GT. Pourquoi il n'y a toujours pas de taureau ce bordel de cul? Avec ou sans flash GT. Pourquoi j'ai l'impression que c'est beau de rêver dans ton. En vrai, une petite Sultan RS sinon. Trop belle ta Sultan RS. C'est quoi la bagnole à l'entrée là? C'est une Windsor. Ouais, c'est ça, c'est Windsor. Putain, mais maintenant j'ai reconnais à l'œil, je sens que je suis meilleur qu'avant. Non, c'est surtout que les Windsor, en fait, tu sais comment elles sont présentées, elles sont tout le temps des trucs dégueulasses. Oh la vaca. Et c'est la Windsor normale, parce que la Windsor plus. Ah bon, je viens de Ronnie. Beaucoup d'argent, c'est. Eh oui, Ronnie, parce que figure-toi qu'on n'est pas là pour la Commoda. J'ai failli tous vous soulever pour rien. T'as bien donné 130 400 précisément, hein. Oui. Non, c'est pour être sûr. T'as donné 117 000. Eh mais sans déconner. Oui, mais c'est parce que je t'ai accidentellement donné 13 000 avant, donc c'est pour j'ai ça. Pas vu. Ça c'est, au total, c'est 130 000. Mais quoi? Mais quoi? Mais non, mais faut pas. Alors franchement, tu achètes une voiture qui ferme ta gueule exactement... et t'achètes ou je te frappe. Allez. Achète une voiture au pif, mais qui coûte exactement ce prix. Mais par contre, si t'en trouves une autre. Non, non, allez, non, j'ai rien dit. Non, non, parce qu'il y a la carboniseur qui est au même prix. Mais à l'aide. Allez. Non, tu te prends un coup de canne dans la gueule, petit con. Mais j'étais pas prêt, arrêtez. Ah mais oui, mais c'est comme ça. Il y a d'autres bagnoles à acheter. C'est comme ça. Mais il y a d'autres bagnoles à acheter. C'est le cadeau de Noël, on en a besoin. Chop chop. Attendez, par contre, évacuez tous les véhicules du concessionnaire, hein, si jamais. Oui. Mais vous êtes sûr, hein? Ah oui. Parce que moi, une fois acheté, je ne lâche pas. Ah non, non. Non, finalement, non. Pas frustrat, finalement, on change d'avis, vu qu'on est là, au dernier moment.
Ok. Un autre bar en plus. Je... C'est... Alain, tu dis qu'on a fait au conseil. Non, non, alors, on a vérifié avec Brandon. Quand même. Non, on a vérifié avec Brandon. Ça fait deux jours que je vérifie à chaque fois que je passe au conseil. Oui, on a vérifié. Sûr, hein. Ah, on est sûr du sûr. T'as choisi la ok. Elle est dégueulasse. C'est juste un dégueulasse. C'est juste un Quel mot. Pire que moi avec Alors, pire que toi, je suis pas sûr. Non, bro, bouge pas. En vrai, je suis pas du tout sûr. Moi, je fais pas ça, je monte pas 15 fois de Moriata pour entendre le bruit de moteur. Non, c'est vrai. Bouge pas, bro, petite photo. Et plutôt, tu démarques un spectre ton régateur. Tu veux pas prendre une photo plutôt quand elle sera en blanc. Oui, mais c'est surtout le moment où il vient de l'acheter, c'est important, c'est les souvenirs. Oui, je comprends, je comprends. Bon, c'est seulement la deuxième, hein. Oui. Mon bébé. Et celle-là, t'inquiète, Irsa, normalement, elle mettra pas d'essence dessus, normalement. Oui. Alors, elle a une plaque le truc, de c'est merde, que si elle fait ça, ça va être trop chiant. Et tu vois, Ronnie, je t'avais dit qu'il faudrait pas 2 mois pour que tu l'aies. Quand même. Non mais on avait eu cette conversation il y a une semaine. La plaque parce qu'il faut vérifier qu'elle a une bonne plaque. Oh elle a une plaque de merde, je vous... je vous love. Franchement, eh ouais. Ah oui. Je vous luve. Je vous luve. Ouais, bah, je suis désolé. Je vous luve. BG, hein. Je suis désolé mais avant... Je vous luve. Ma première V12, mais la non, ça plaque fait c'était Ronnie BG. Bro, ça fait de Joule. Oh non. Mais oui. Oh là là là. Oh là, j'ai 12 ans Y. Non, moi c'est plutôt Julu. Coucou Gemma. Salut. Salut Gemma. Salut Gemma. Ah, salut bon, Gemma. Non, ça fait Julu. Julu. Bah super. Bon, par contre, voilà. Du coup, t'as pas le droit d'ascenseur de conseil, ça doit rester là, bien sûr. Oh, là, par contre, moi je sors. Let's go, pour le custo, du coup. Nickel. Ouais. L'argent par contre pour la custo. Bah au moins lui mettre les couleurs et les néons. Oui bien sûr. Oui. Et 40 000 d'économie chef, j'ai jamais racheté pour ça. C'est bien bro, puis on mettra ton argent dans mon Evron. Let's go. Quand tu veux bro, j'en ai plus rien à foutre. C'est moche. C'est absolument immonde. T'as aucun goût, j'en ai rien à foutre, elle est à moi, je vous love tous. On parlait de la Windsor. Aussi. Dommage que tu te sentes visé. Ah, toujours. Y a un véhicule en trop niveau. Normalement, non. Non, c'est bon, normalement. Non, c'est bon, on est tous au volant d'une voiture. Ah, ok, d'accord. Vas-y, vas-y. Ok, ok. Avec Jane, on passe juste à une supérette, faut que je récupère un drag. Ça Il y a un mec qui a une voiture noire alors qu'on vient au concert, c'est une voiture blanche. Ah, on se demande qui c'est. Hein. Oh mon bébé. Bon, du coup, t'économises pour me parier, Ronnie. Ah, oh, ouais, quand vous voulez, chef Radon. Attendez, hop. Oh là là, elle est belle. Ah, oh, bah oui, hein. Et bonjour. J'ai pas voulu me changer, moi, je reviens. Ouais, vas-y. Bonsoir, c'est pour Custo, la magnifique, le beau bébé qu'il y a là. Ok, ça marche, on y va. Ouais, mais oublie pas de ouais, aussi. On y va, ouais. En gros, tout ce qui est visuel, vas-y, lâche-toi au final. Je viens pour voir. Non, attendez, je vais me mettre à l'arrière, c'est ridicule. Bonjour, moi c'est Hubert. Je vous emmène où? Ouais, bon. Dans le gros bâtiment, s'il vous plaît. D'accord, bon courage, j'adore. C'est parti. J'ai une V12. Et ouais. En fait, comment ça se Custo une V12? Nickel! Peinture? Ah oui, pardon, j'avais oublié, ouais. On reste dans le véhicule. C'est pas
que cosmétique. Oh, oui, il y a deux vieilles. Ah, oh, il y a deux couleurs. Eh oui. Oh là là, il y a beaucoup de questions à se poser du coup. Ah ouais. Si vous voulez lui faire plaisir, mettez un gros sticker dégueulasse dessus. Non, on mettra pas un gros sticker. Sticker chef, donc. Genre une bande blanche. Une bande blanche. Où est-ce que vous êtes? Donc, ça, ça va être. Ou alors je vais mettre en noir. Oh bah, pas beau ça. Ouais, elle est sale, elle fait sale. Ok, très sale. Oh, je l'ai nettoyé, attendez. Ah ouais. On est tous dedans en fait, on s'est garé. Ah, il faut qu'on sorte. Oui. Oui, bien sûr, pas de soucis. Au cas où, au cas où, au cas où. Ouais. Ah mais d'accord. Oh, c'est le garage qu'on sait, c'est le garage. Salut Léna. C'est pas le garage au-dessus. Pas le garage public. Ça va? En fait, ouais. Il y a besoin de quelque chose sur les deux voitures qui sont dehors ou pas? Non, c'est juste qu'on a emmené Ronnie au concess pour acheter sa V12. Ah, il l'a enfin? Oui, elle est là. J'ai un truc à te donner après. Ah bon? Il y aurait pas une. Oui, je vais chercher un bonnet, attends. Ah, ouais. Pas de soucis. Enfin, un chapeau. Bah oui, c'est ce que je veux dire. Moi, la question que je me. Il y a pas d'autocollant, du coup? Non. Dommage, excusez-moi. Et oui, on a béni. Est-ce qu'on la laisse comme ça ou on met tout blanc? Fais voir en tout blanc. Pardon, Putain, j'en bats les couilles. Et faites voir avec le dessus vert foncé. Ouais, genre un blanc. Non, y a quoi comme blanc? Y a blanc pur et blanc albâtre, voilà. Alors la différence entre blanc pur et blanc albâtre, ça se verra pas. Non, le blanc qu'on met sur le haut des buffalo. C'est pas. C'est plus une espèce de gris clair. On peut en ouais, non, en vrai, c'était beaucoup plus classe en noir, hein, le dessus. En vrai, testez. En vrai, testez avec le vert foncé pour voir ce que ça donne. Ok. Le vert foncé, je sais que ça va être beau, mais. Ma tablette, elle est cassée, c'est super. Ah, non, bravo. J'ai vraiment cassé ma tablette. S'il te plaît. Ah, mince. Attends. Ah non, c'est bon, ok. Ok, j'ai eu peur. Oui, bah oui. Ouais, non. Ouais, franchement, non. Ah ouais? Je trouve ça non, je préfère en noir. Je préfère en noir. Ouais, en noir, c'est mieux. Ouais, en noir, c'est mieux. Ok, on laisse comme ça alors. Ouais. Est-ce qu'on met un autre noir ou pas? Y a des noirs plus foncés ou genre. Non. Oh, bah oui, hein. Oh, avec le gris, c'était pas mal non plus, je trouve. Oh, le noir, mat, là. Ouais, non, noir mat, c'est... Je sais pas trop. Ah ouais? Ouais, voilà. Bah, on n'a pas les mêmes. Ouais, voilà. Ouais, peut-être que... Ouais, non, c'est le noir de base. Après, peut-être qu'il y a de la custo pour mettre des capots et des toits différents, non? Ah, c'est peut-être, oui. Ouais. En France, c'est pas anglais, oui. Alors, regardez. Ah, ça, c'est... Ah oui, capot carbone, carbone venti. Oh là là. Et y'a que ça ou ça? Ouais, y'a que ça en capot. Le toit, est-ce qu'il y a du toit? Y'a des toits. Toit en carbone. Le toit en carbone? Ouais. En vrai, moi j'aime bien le carbone, je suis un connard. Donc, ouais, je comprends. Capot ventilé carbone? Capot ventilé carbone. Ok. Et le toit aussi? Ouais, je comprends très bien, il est vachement mieux ouais. Comme ça en vrai. Ah oui, j'aime beaucoup. Let's go. Ok, super. Il faut autre chose du coup? Bah ouais, vas-y, je vais te faire tout le visuel au moins. Ok, ok. Donc vas-y, dis-moi tout ce qu'on peut changer. Alors, non. Ah, on peut mettre un aileron. Ah, vas-y, fais voir, non. Eh, moi j'aime bien celui-là, le petit. Pas celui-là, ouais, voilà. On peut le mettre okay. En. De couleur genre différente ou pas? Est-ce que ça dépend? Je me demande si ça dépend pas de la couleur primaire, je vais regarder. Possible. Je pense que oui. Oui, ouais, c'est ça. Ok, bah pas grave, c'est très bien avec le petit aileron. Ok. La plaque? Ouais, la plaque. Ah, ou le bas de caisse? Il y a un bas de caisse. Oh, noir, bah ouais. Là, comme ça. Ouais, le bas de caisse carbone. Oui. C'est celui-là. Voilà. Ouais. Oui, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, ça y a pas. On a déjà vu. Il y a pas la plaque, il y a la calandre, genre. Ah, il y a un diffuseur. Ah oui, je vois.
Ouais, je sais pas trop. Ouais, ça fait un peu gros pour rien, je trouve. Non, pas trop, non, ouais. Par choc. Ah, vas-y, balance. Par choc européen et séparateur avant en carbone. Celui où il y avait les deux petits traits, tu peux passer rapidement? C'est celui-là, je crois, non? Ouais, celui-là, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien, il est agressif. T'as l'impression qu'il va t'arracher les yeps. Oh, on n'a pas le pied! Non, mais t'inquiète pas les tiens, t'as des méchants. Ah, d'accord, oui, les méchants, oui. Bah oui. Pas d'échappement. Vas-y, balance. Il y en a en carbone? Non, il y a titane. La course double ovale et titane. Bah vas-y, fais voir en titane. C'est celui-là. Ouais, bah nickel. Je suis désolée, Gemma, j'avais pas vu ton message. Et c'est tout. T'inquiète, c'est pas grave. On a vu la plaque. Pour ça, je me suis dit, bon, je vais y aller, on va voir. Puis, oui, sinon, je reviens au Venise. Non, t'as bien fait. T'as bien fait. Je suis dit, c'est la suite logique. Léon? J'ai bien fait de pas me changer, sinon j'aurais raté ça. Oui, effectivement. Par contre, on est d'accord que ce machin avec les deux petits bouts, c'est dégueulasse. C'est pas ouf ouf. Et le blanc est pas ouf ouf non plus. Donc, non, je suis assez d'accord. Là, je vais mettre le gaz. Autant mettre le carbone. Ah non, pour moi, c'est pas la couleur, c'est vraiment les espèces de. Tu sais, sur le bas du pare-choc, là, les deux. Ouais. Ouais. Voilà. Ça fait tendeur à linge qu'on met sur le balcon. Oui, c'est ça. Mais globalement, je suis pas fan de. Et puis, bah. De... Je crois qu'on a des couleurs. Fenêtre peut... Alors, moi, je suis ok pour le carbone. C'est ça, je crois oui. Que c'est le noir. Hop, voilà. Klaxon, non. Non, j'aurais pas pris la carbone RS. Non, on a dit non, plaque, là bon, la carbone RS. Ah, amélioration peut-être. Tu peux pas la custo, c'est carbone, t'as pas le choix. Ok. C'est comme ça, point. Ok, je sais pas. Ça marche, je sors ma calculette. Mais moi, je l'aime trop. Ah, bah je comprends. On a 23 708 dollars. Mais je dirais pas non à une petite Sanchez. Alors, du coup. Je ne connais pas suffisamment bien les véhicules de moto, mais. Hop, voilà. Je vais la sortir en même temps. Je sais qu'il y en a des très bien. Ah, j'avais conduit celle de Bob le jour où il l'a achetée. Parce qu'à chaque fois qu'il achetait une moto, il s'était éclaté la jambe. Donc, à chaque fois, je la ramenais. Et. Ben, pas mal, hein. En plus, dans la neige, incroyable sensation. Ah, bah, pas mal. Pour une fois que la neige ne met pas le bazar. C'est ça. Parce que tu vois, la Felon, je l'aime beaucoup cette voiture, je l'ai achetée, sauf que dans la neige, c'est de la merde. Ah bah ça. Du coup, ben, elle est toujours noire et jante dégueulasse et tout dans le garage. Le vol en hélicoptère, pas le vol du véhicule, mais le vol sans permis, un truc comme ça. C'est Eliana au volant ? Sûrement. Je crois que c'est Eliana. J'ai un truc à lui donner. Alejandro. Dévite de fuite. Ah, trop de voitures. Oui. Vous avez trop de voitures. Oui, alors, j'ai un petit cadeau de Noël pour toi. C'est gentil. Oui, j'ai un petit cadeau de Noël pour personne, je suis horrible. J'ai à manger pour les gens si besoin. C'est tranquille. Mais ça, je veux bien en cadeau. Oh bah avec plaisir. Merci. Mais... Tu veux un café, un thé, un chocolat chaud, un donut, un cookie, un milkshake? Je veux bien mon petit chocolat chaud. Allez, viens. tu sais quoi? Oui. Prends ce que tu veux dans le coffre. Choisis. Ouh la vache. Vodka, vas-y, c'est toi. Joyeux Noël. Eh bah, tu sais quoi? Je vais pas refuser une petite vodka. Et prendre un
plein de sacs si tu veux. Vodka chocolat chaud. Non, c'est bon, t'inquiète. Oh, chocolat vodka. Vodka chocolat chaud. Est-ce que c'est un Russian hot chocolate? Écoute, c'est plutôt mélange maison. Attends. Je t'ai un peu oublié, je suis désolée. Le numéro de... semi bientôt parti. Le numéro des vignerons, tu voulais, non? Ouais. Non, il n'y a pas de chier. Ok, je finis ce que je fais ici, je ramène un flatbed et après je m'en vais. Ok? Ouais, et je te passe le numéro là-bas, comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter à retenir un numéro pour le retaper. Pas de soucis, c'est cool. Pas de soucis, à tout de suite. Ok, faut que j'aille à la foyer après. Oui. Et c'est une petite bague en argent. Normalement, j'avais bien regardé tes mains, ça devrait aller sur ton annulaire. Pas sur ton annulaire, sur ton... Ça y est, tu veux m'épouser? Petit doigt. Ouais, c'est nickel, merci. Allez, c'est une... ceci est une demande en mariage. Tu m'offres une bague. Pourquoi tu me demandes en mariage sauf Queen? Ah bah désolé. J'ai pensé au petit doigt plus qu'à l'annulaire. Je me suis dit que ça serait rigolo. Moi j'ai pas facturé, c'était qu'une révision, donc moi c'est 120. Bon. Ah bah écoute, merci pour le chocolat chaud et pour le, ouais, le vodka. Italie, j'ai fait payer. Bah de rien. Du coup je vais vite aller à la fourrière. Ouais, des bisous. Ouais, bisous. Et joyeux Noël. Merci toi aussi. Je pense qu'on se reverra pas en plus avant. Oui, c'est pour ça. Ouais, des bisous. Al, je vais à la fourrière, il y a Perrina qui a besoin d'un rapatriement. T'aurais une belle carrosserie au moins. De quoi? Qui a une belle carrosserie? Quoi? Qui a une belle carrosserie? Non, un peu d'estime pour mon fiac. Ah, c'est le fiac de Geniam, la belle carrosserie. Je trouve quand même qu'il y a un petit peu trop de noir sur cette voiture, mais je comprends. Bon, oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de sticker. On va dire. Il n'y a pas de sticker non. Ça, c'est dommage. Oui, s'il y avait un sticker, j'aurais pris un sticker ouais, blanc. Dis-toi que c'est mieux qu'elle regarde le coffre plutôt que le coffre. Mon fiac, il vaut vraiment un dollar. Qui paye pour le... Attends, tu veux dire que... c'était la vitre. Oui. Le Rayetta, c'était toutes les vitres plus... Allez-y, faites-moi le total. Faites-moi le total. Non, mais on s'en fout, de toute façon, je rentrerai dans la glace ensuite. Non, par contre, il y a d'Acristo à faire sur la Commodus. Ah bon, quoi donc? D'Acristo, c'est en gros changer le sticker, c'est le mettre en blanc et changer la couleur blanc du secondaire et mettre en blanc. Ah, mais y'a pas assez de noir sur nos véhicules comme ça? Mais je t'emmerde, c'est ma Commodus. Mais non, mais je sais, mais bon, au bout d'un moment. Elle était comme ça à la base, hein. Oui, ben bah, je sais bien qu'elle était comme ça à la base, on l'a changé pour une raison. Allez-y, les réparations, révisions, tout ça. De la coquette, il y a une use de les remettre, elles ont déjà disparu. Tout ce qui était réparation, révision, était les moins. Elle est use maudite, la coquette, c'est pas possible. Ça a payé le. Vous avez des problèmes sur la coquette avec Redline ou pas aussi? La même chose? Non. C'est les use la coquette de Gemma en fait. Ah, mais vraiment? Si. Alors, je sais pas pourquoi, mais... C'est quand même dingue, par contre, Non, pardon, je parle avec... Alors, bon, la facture, j'allais y arriver... Elle parlait à nous. Non, bah ouais, en fait... mais pour te faire, pour vous faire un topo, c'est qu'en gros, la coquette de Gemma, elle perd ses vitres, et les coquettes de Reden, apparemment, ils perdent l'argent. Oui, les bonnes voitures en carton. C'est ça, c'est... Regarde, comme ça, je peux me déplacer. Et je fais attention. On tient groupé en fait. Ouais, ouais, pas de soucis. Alors j'ai réussi hier. Pas de soucis. Bon, la Commoda. Oui. Avec moi. En gros. Voilà, tranquille. C'est plutôt easy après. Bordel, mais qui m'en. J'aime ce qu'il veut encore mettre du noir sur la Commoda, mais si après on a des soucis avec la sentence, faudra pas venir se faire. Mais bon, Jane, tu peux me déposer au SMS? Je peux te déposer. Je suis pas un putain de collègue au postal. Oh mais d'où? Mais comme ça je peux la conduire. Je te jure, tu appelles Blue pour lui montrer, je te défonce à coup de canne. Hors de question. Alors, qu'est-ce toi, on voit que tu suis pas. On voit que tu suis pas. Allez, fonce. Oh bah désolé, si je survie. Bisous. Adieu. Putain, je pourrais y poser mon...
siège passager. Une Windsor, ça vaut combien? Oula, 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 oula. D'accord. Je sais pas combien ça vaut une Windsor. Question. J'irai dans les 50K, mais je suis pas sûr. James, il est parti où? Qui ça, James? Ouais. Refaire une cuistot de sa commode. Encore? Oui. On va faire sur 1 million qui sera passé dedans. Hein. Il est parti faire ce que je disais, c'est-à-dire il est parti remettre du noir sur la commode. Au bout d'un moment, si on a des appels de la sentencière, faudra pas venir se plaindre. Un petit souci, leur voiture. Pourquoi j'ai peur de à quoi va ressembler la commode en sortant? Bah, si on remet juste le haut noir. Il a dit qu'il voulait mettre un sticker blanc et un haut noir. D'accord. Voilà. Pourquoi pas? En vrai, ça passe. Ça passe. De quoi? Ça passe. Mais... la commode. Par contre, il m'a fait un faux espoir, j'ai cru qu'il a pu enlever le sticker. Non, mais en vrai, avec la bande blanche, ça passe. Hein. Non, en fait, le truc, c'est que la bande blanche, elle va pas sur la couleur, le blanc. Elle est vraiment que sur le noir. Oui. Bah, les autres n'étaient pas le cas. Les autres faisaient tout le tour de la voiture, en fait. Ah oui, c'est vrai. Mais en vrai, c'est pas problématique, tu vois. Genre, c'est continuation du blanc. Non, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que c'est ok. C'est assez cool. Ok, comme ça, c'est pas mal. Bah, nickel. Merci Alejandro d'avoir rendu la voiture moins moche. Ouais, il fait ce qu'il veut. Franchement, d'ailleurs, n'est pas aidé, il fait vraiment ce qu'il veut. Tu as dit. Je dis pas comme ça, mais mes larmes ont gelé. Je me sens attaqué. Du coup... Bon, bah, on est prêt. Ouais. Bien, mais parti. Il est parti au SMS, oui. Avec Ronnie et Xachaf Torvedo, j'imagine. Évidemment. Oui, tout à fait. J'imagine vrai, qu'ils font le tour du SMS avant d'aller au SMS. Il n'y a presque pas eu à insister pour emmener Liam. C'est ça. Oh, bah, j'ai fait 3 pas quand Ronnie a dit « Je te peux t'emmener ?» J'ai même pas insisté, j'ai fait demi-tour, je suis revenu à ma place. J'avais bien compris que c'était peine perdue. Par contre, je sais pas si on a assez de personnes pour conduire. Si, normalement, c'est bon. On est OK. Par véhicule, là, du coup. On est 6, il y en a... 4, 5. Il y en a 5. Il y en a 5, non ? Il y en a 6. Il y en a 6. Et bah. Attendez, par rapport à quoi ? Sur le nombre de véhicules. En fait, il y a 6 véhicules. Ah, ok. On essaie de mener avec les 7 véhicules. Salut ! Salut. Voilà. Salut. J'ai réussi à péter un phare. Super. Oh, elle est trop bien. Je pense qu'on va faire un contrat au Venise de 10 000 par semaine juste pour sa chauffeur. Ouais. Oh, c'est. Eh bah, franchement, moi, ça va. Qui paye les 10 000? Bah non. Alors, en soi, si, dans un sens. Oui. Techniquement, hier, j'ai avancé 3 semaines. C'est vrai. Oh, chef, elle est trop bien. Chef, j'allais à 200 km/h dans une shafter, j'ai plus l'habitude. Et qu'est-ce qu'il fait? J'ai littéralement 60 km de plus. Ah, mais il est parti pour réparer le phare pété. Mais encore heureux, c'est pas pour lui que j'ai prévenu. D'accord. Attends, c'est un mec qui décide. Désolé, mais pas de rançonnage ce soir finalement. Ah, tant pis. T'aurais été sur quoi le rançonnage? La Windsor qui traînait au concesse. Ah bah super, on aurait pu nous la prendre en chemin. Ouais, mais bon. Demandez à quelqu'un de me la toper. Là, je viens de voir pour identifier la plaque, mais le propriétaire est pas identifiable. Donc, RIP. Ah. Faudrait qu'on. On a utopé quelqu'un de l'expédie qui pourrait relever des plaques pour nous. Pas besoin, il y a beaucoup plus simple et beaucoup plus facilement corruptible.
Oula. Alors pour des plaques, en dehors de l'SPD, je vois pas qui peut être. Bah, on est actuellement au bon endroit pour ça. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, donc t'es en train de me dire que le Beniz enregistre des plaques. Oui. Donc voilà, j'avais raison. Bravo chef. Non, c'est parce que lui-même me disait qu'apparemment il sait pas ça et j'avais un petit doute. Après on peut pas le savoir, mais c'est la fois elle vient de qui, Paul? D'Alejandro. Je me doutais un peu. D'accord. Je me demande s'ils font ça depuis longtemps. Aucune idée. Ok. Et merci. Tu veux une fun fact, Ronnie? Vas-y, balance. Je crois que t'as récupéré celle que Bob Jones a revendue au Conseil. Aïe. Ça fait mal. Coup dur. Bah, dans tous les cas, hey. Ça fait quoi? J'ai une voiture de vrai G et y'a que ça qui compte. C'est nickel. C'est vrai. Par contre, attends, mais du coup, il l'avait tuné ou pas? Je crois qu'il avait commencé. Parce qu'il est possible que. Alors, il va faire une voiture tunée aussi, hein. What? Sérieux? Bah, on va voir. Est-ce que je viens de faire le coup du siècle? Ah, par contre, ouais, c'est vrai que. S'il est monté à 200, y'a moyen. Bah oui, c'est pour ça que je me dis qu'une shafter V12 stock, elle monte pas à 200 normalement. Je pense pas. Enfin, elle monte, mais dans la pente, quoi. Et les SMS, à part s'il a pris la voie... Bah non, vu qu'elle est pas sur une pente. Enfin, ah si, peut-être en revenant. Dans l'autre sens. Bah en soi, s'il y a des personnes qui achètent les Buffalo, ils tombent sur les nôtres, hein. Elles sont pas stock. De quoi? J'ai cru sentir un Evron derrière moi. Ah ouais. C'est un Evron ce truc là? Ouais. Quand tu vois, voiture rouge, ligne blanche. 4 pneus, 2 fenêtres pétées, une portière qui a sauté. Et quand t'entends un PRNA? J'ai envie de dire que. Fais la facture. Ouais. Comme ça, bah, c'est moi qui lui. J'allais dire, ça sera au petit bonheur la chance vu qu'on était tous les deux côte à côte. Alors? Yes, nickel. Elle a moteur 3. Un show. C'est faux. Yeah. Avec le moteur. Oui, c'est vrai. Normal. Avec le moteur. D'accord. Le concess. Sinon, non, elle est stock. Ok, d'accord. Du coup, les factures, c'est tout bon? Les factures, bah, les mises, je dirais pour l'ampoule de la shafter, le phare. Ouais. Ah oui, au fait, il est mince, il est où les SMS? Il va pas non plus vous faire facturer. C'était 5000! Putain! Ah ouais, c'est une shafter. Hein, c'est bah oui, hein. Ça se touchait là, une shafter. Je note un 23000 pour la custo visuelle, donc oui. Ah bah oui, c'est normal. Juste, hein. 23000, si you would donne le prix du turbo, je pense que vous allez tomber à la renverse. En vrai, j'ai même pas osé demander les prix. Ah oui, je dirais 50-55. Alors. 65, c'est approximatif, mais c'est 62 400 approximativement. D'accord. Le turbo de la shafter. Ok, nickel. Mais ça, c'est ok. C'est... Et fais voir, les transmissions, genre, ça coûterait combien? Il y aurait dans les 15 000. Non, mais pas. Attends, la transmission, c'est moins cher ou plus cher que les freins? C'est moins cher. Beaucoup. Moins cher. Non, transmis beaucoup plus cher que les freins. Ouais, en fait, 15 000. En fait, sur les véhicules en général, le moins cher, c'est la suspension. Ensuite viennent les freins, la transmission, et après vous avez un énorme fossé, c'est moteur turbo. Oui, d'accord. Le turbo, c'est généralement, vous devez vendre un organe pour non, l'acheter. Ça c'est le blindage, ah, ça. Ah, ça c'est le blindage, la vente d'organes. Non, le turbo c'est aussi non, pour les civils. En fait, après... Pour le blindage, c'est simple, c'est vous hypothéquez tout votre parc. Pour acheter juste le blindage, par exemple, pour le Riata. Oui. Alors, très honnêtement, je suis même sûr que si on vend tous nos véhicules, on peut même pas l'acheter. Alors, le blindage 4, certainement, mais le blindage 3, si vous pouvez. Bah, le 3, il est à combien généralement? C'est pas. C'est un truc genre des 200 000, c'est genre le prix de la voiture plus 3 fois le prix de la voiture, quoi. C'est quasiment 1,5 fois le prix de la voiture. Ah, en vrai, ça va. Pas toujours, hein. T'inquiète pas, j'envoie la V12. Ronny, cours dans sa super shafter V12. En fait, on t'a répondu qu'il était déjà dans la voiture. C'est bordel. Il est pas déjà là-bas? En vrai, j'adore le bruit d'une shafter V12. Ah, mais il est très bien. Je sais pas,
En soi, c'est un vrai paquebot et ça mine énormément, mais une fois que c'est lancé, c'est un missile. Donc, je pense qu'un shafter, si vous voulez vous en servir comme bateau bélier, ça peut être une bonne solution. Ah bah, il y a un bateau bélier. On a d'autres des béliers. Alors, si je peux vous conseiller le Riata, si vous voulez vraiment faire votre bélier avec, abaissez la suspension au maximum. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'on devait faire. C'est combien de suspensions sur le Riata? Bah venez, je peux vous le dire. Vous on vous va voir ça. J'aime bien mes suspensions quand elles sont Ouais, Jane aime bien ses suspensions. 134 000. Jane aime bien ses suspensions hautes parce que ça lui permet de monter surtout. Oui. Ça, tu peux couvrir les voitures. 13 14 000, je pense, ses suspensions. C'est presque le prix de ta cliffhanger, non? Je sais plus. Je crois que c'était 17. Franchement, j'en sais rien. Après, rien à voir, mais. Enfin si, ça va avoir avec la voiture, mais j'ai hérité de la shafter de Alex. Ah, ok. Ouh, d'accord. Je l'attends juste. Et la mairie va pas faire chier par rapport à ça? Non, ils ont rien à dire. L'héritage. Okay. J'ai déjà payé les frais de toute façon, donc... Non, mais je sais pas comment fonctionne c'est l'héritage en Amérique. 9500. Je demande parce que je sais que j'ai pas pu buter mes parents parce que si je fais ça, j'ai pas accès à l'héritage. Bon, par contre, il espère que Yor il fera quelque chose pour ta coquette Gemma parce qu'il y a un peu plus de remettre tes fenêtres et qu'elle disparaisse. Attends, et dans la coquette, plus. Est-ce que t'as mis. Attends, Redlen, ils ont tout teinté les vitres? Ils ont teinté les vitres aussi. Et celle-ci, elle est teintée aussi ou pas? Oui, là, oui. Pas les vitres sont okay, teintées aussi. C'est, ça. Ça, c'est une énigme quand même. Bonsoir, je suis vivant. Oui. Oui, en fait, Liam, j'ai un truc pour toi depuis 3 jours que j'ai pas pu te donner encore. Tu dis quoi, Rémi? Ok. Salaire de la semaine dernière. Ah, merci. Ah, je vais déposer tout ça. Alors, la zone. La quoi? Ce soir, je suis un distributeur d'argent. Ah, ouais, on peut y aller. Oui. Allez. Bonsoir Alejandro, bonne soirée. Je vais poser Alejandro. Si, vas-y. Ouais, Alejandro. Elisa, tu prends la GTO comme ça, je prends la moto. Ok. Elle est où la GTO? Il y a tellement de voitures, elle est où la GTO? Elle est là. Non, c'est pour ça, c'est qu'on a pile sans Liam, en fait, on a pile le nombre. C'est pas les véhicules, on va les réparer. Vous êtes pas en train de faire une prise de tâche sur mon fier, quand même, s'il vous plaît. Alors, une mise aux enchères, je veux bien, par contre. Rappelle-moi ton âge, Brandon. 28, non. Mais mon cul est pas à foutre aux enchères, bordel de merde. Foutre et cul en même temps, c'est pas le bon terme, je crois. Et c'est un embouteillage! Attends, ça va me grailler quand je suis dead. Génial! Jane, à l'aide, ils veulent tous mon fiac! Ouais, on a bouteillé. Ok, j'arrive. Quel âge du coup, Brandon? Oui. Quel âge du coup tu as? Le fiac de Liam, je graille le sien. Quel âge tu as exactement? Est-ce que j'ai le droit de m'appartenir à Brandon? Moi, enfin, je ne demande pas l'âge d'un homme. C'est une femme, ça. T'as quel âge exactement? Mais vous allez pas vous partager chacun un petit bout de territoire, bordel, c'est pas Landlord. Trop vieux, c'est bon, ça passe. C'est quoi, du coup?
C'est quoi du coup le chiffre? J'ai moins de la trentaine, mais plus de la vingtaine. De quoi? L'âge de Brandon? Il a 27, oui. Je crois. 27, ça va, c'est pas trop dégueulasse. Ouais, t'es l'un des plus vieux. Mais comment ça? C'est pas dégueulasse. Mais débordé là, je me casse. Attends, je t'ai pas encore payé. Mais non, mais y'a rien à payer du tout. D'ailleurs. Okay. Mais non. Hey, attends. Déclarez ouais, tout ce que vous avez retiré. N'oubliez pas de déclarer ce que vous avez retiré. À 68 $. Non, Jane, tu peux mettre ta fiche. Tu remarqueras que je suis resté sobre, j'en ai pas donné un de plus. Bah oui, c'est le 1 que m'avait déjà donné Paul, du coup ça fait 69 à vous deux, c'est bien. T'as trop bien. Ah, je vaux 70 $. Yes. Yes. Brandon, je te jure, il y a 1 $ qui glisse dans ma poche. Je te mets un coup de 4 dans la gueule. Mais lui en deux. Mais lui en deux. Ah bah pour l'instant c'est Brandon qui gagne les enchères. Il y a 515 $ et un pochon dans les dents. Ouais. Oh bordel. Cassez les couilles, vous me fatiguez tous. Voilà. Attends, je sais comment gagner immédiatement les enchères. Dima, comment on se protège du Brandon? On peut pas. Mais non mais un burger veggie ça va. Attends, bouge pas. Pas une technique, répulsif ou un truc comme ça. Bouge pas, j'ai un truc pour gagner les enchères. Bah je le sens bien ce truc là, oui, qu'il est increvable, mais pourquoi me donner une vodka? Que je t'en prends du whisky. Ah oui, c'est vrai, merde. Mais je t'ai pris quoi, Rodney? Ah mais j'ai pété la vodka, Liam. Il y a l'autre vautour qui vient grappiller. Quoi? Oui, putain, le voleur. Vas-y, fais le bruit du vautour. Je sais pas, qu'est-ce que ça fait comme bruit en vautour? Oh le voilà. Ou tu tournes autour aussi, en étant comme ça. Colo. En étant comme ça. Oh, vous me fatiguez. Est-ce que je peux... On ira jamais. Il y a combien dans les comptes de l'entreprise? Ouais, faut super... Actuellement... Ok, je paye mes amendes, on a plus d'huile, on fait quoi? Eh bah... Tu payes pas. Si, paye. Paye et puis on aura plus de thunes. Je vais prendre... J'ai une Akuma à sortir de la fourrière s'il faut. On va prendre les deux Akuma au pire. Paye si nécessaire. Paye si nécessaire pour sortir un peu des provisions. Et puis vu le nombre qu'on est, je crois que 3 motos ça suffira. Mais de toute façon, il faut. 2 motos ça suffira largement. De toute façon, il faut que tu les payes, Lien. De toute façon, il faut que tu les payes donc. Ouais, y'en a qui vendent et. On va faire 3 moustiques. Non, 2 moustiques ça suffit. Mais 2 moustiques. C'est. Pourquoi ça parle de moustiques? J'ai pas compris. Attendez, écoutez, parce que. On peut parler. On est 8. Il y en a 4 qui font superette et 4 autres qui peuvent vendre au pire. Je sais pas en vrai. Ouais, on peut. Mais j'aime pas. Ouais, moi je vais vendre. Je vais faire la moto. La vente, ça sera sans moto. Pas de gaufrer. Vente sur la plage, il y en a en gros. Oui, bah fallait pas que je me prenne une balle de M4 derrière le genou aussi, bordel. Attendez, dans les ventes, on va sur la plage, il y en a qui prennent des journaux au pire et des autres qui sont à la mettre. Ça fait l'heure. Oui, c'est bien, marcher tout le monde du Remblai, c'est génial, quelle bonne idée. Après, je propose, hein. C'est souvent ce que vous voulez. On peut aller transfo la coque sinon. Oui, ah, il y a aussi de la coque à transfo. Parce qu'on en a plus du tout. Aller, hein. Et parce qu'il y a les Lost aussi qui en voulaient potentiellement ce soir. Eh bah, let's go transfo. Moi je fais team transfo qui vient, tu m'as. Je vais transfo aussi. Moi je fais un dérange transfo. Et bah ouais, voilà, il y a côté, on a la team super. Ok, nickel. Très bien. Du coup, j'ai compris. Ça va retirer de l'argent, moi j'ai plus de thunes pour l'essence. Attends. Je me demande dans quelle voiture on va faire les super-hêtes. Toute la thune pour acheter mon fiac alors qu'il est pas à vendre. Tiens, je te donne... Je sors mon burrito pour qu'on mette le truc devant. Tu t'es blessé et que t'as trop fumé, tu pourras pas conduire. Jim, tu veux prendre la BF de Brandon du coup ou pas? En ville, c'est pour une BF. Enfin, je dis ça, ça fait des virages d'enfoiré. Hein. Donc, il y a pas trop de percussions. Je vais changer. On va changer du coup, on arrive. Oh, bordel, l'accélération. On va essayer de faire les 2700. Full d'origine pour les deux, pourquoi? Ça pousse? Ouais, non, ok. C'était pour savoir, parce que effectivement, oui, ça pousse. Lui, il passe ses journées à fumer, là. Ah oui, la dernière fois, t'étais pas sous stup quand tu m'as frappé, peut-être. Team transfo, on bascule sur la 58, s'il vous plaît. Peut-être pas, allez. Bon, j'en ai assez consommé pour savoir ce que c'est, hein. Deux.
tu vas avec Ronnie? Ah non, je... Ou pardon. Pardon. Je sors mon surfeur aussi? Ah oui. Oui, 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 parce qu'on a 2700 à transformer, donc... Ok. Toute l'équipe transo est bien sûr à 58. Personne n'est basculé sur la 58, pas vrai? Si, si, moi. Ah si, d'accord. Pour l'inco, par contre, je peux pas conduire. J'espère que ça pose pas de véhicule. Non, non, pas de soucis. Enfin, une rampe handicapée ici. Du coup, Gemma, est-ce que toi aussi t'as un véhicule de stockage? Je crois que oui, non? Ah oui, le Rampo, nickel. Comme ça, on remplit les trois. Je suis dessus. On a 2700 au total à transformer, donc. Tu pars combien la coque? Déjà 75? 150. 150, ok. J'ai pas compris. C'est les bouchons par 75? Oui. C'est les pochons par 75. Par contre, Paul a posé une question, j'ai pas compris. Paul ou... C'est toi qui as posé une question? J'ai pas compris. Alors on a pour un moment à tout transfo. Oui. C'est la place. On a quoi, genre une heure et demie de transfo là? Facile. Facile, ouais. Ton véhicule. On sait jamais. Ah, j'attends. Ah, désolé. Okay. Pardon. Je me sens vachement oppressé. Je sais pas, j'hésite. C'est bon. Je rigole. Alors. Yeah. Qui vient de faire plouf? C'est Jess. C'est Jess qui vient de faire. Je prends un pistolet comme ça si on perd. De toute façon, j'ai celui d'Alex dans mon coffre donc. On s'arme aussi ou pas du tout pour notre côté? Oui, on s'arme. Ouais. Ok. Okay. Mmh. Attends, c'est... C'est tip-top. Ouais, je pense. Ouais, ça fait 75 sur nous, c'est bon. Hop, c'est plein. Et c'est plein. Et l'autre aussi est plein? Ouais, tout est plein. 150, c'est pas un problème normalement. Le tien aussi est plein, Jemma? Ouais. Ok. On passe magasin de vêtements pour se masquer. Tu pourras m'emmener au magasin de vêtements, s'il te plaît.
Qui ça? Toi, du coup, je veux plus ton surnom, donc voilà. Oui, je suis arrivé en fait. Ok, ok, bah moi je me mets en route. Hein. Vous avez pris des PDC? Yep. Oui. Il y a quelqu'un qui sort de la coque. Besoin d'aide ? Bonsoir. On part de la boutique de vêtements. Je suis à 300 mètres. Bonjour. Oui. Oui. Bonjour. Oui. Tout va bien ? Oui, oui, tout à fait. Quelle est votre identité, dis donc, qu'est-ce que vous faites ici? Je pense que je suis ici pour la même raison que vous. Oui, d'accord, mais ça me donne pas l'identité, c'est juste pour être sûr que tout va bien. Oui, oui. Y a une raison pour laquelle ma voiture est verte. Normalement c'est blanc et vert, mais là c'est vert. Ok, c'est bon, on y va, à plus. À plus. Je suis sur place, tout s'est bien passé, j'ai croisé deux personnes que je pense être de la Sampantia, vu que de toute façon, il n'y a pas grand monde d'autres qui a accès au point de drogue et ils ont voulu vérifier mon identité. T'es parqué en haut ? Je suis parqué, bah, à l'endroit habituel, quoi. Je connais pas l'endroit habituel. Ah, excuse-moi, je t'envoie le point. Je recule. Quel talent. Ça, c'est pas le quel bon talent. Voilà, comme ça on va couper le moteur, c'est plus rapide. Oui. Ah mais le mien aussi, il est... Oui. Oui, on est sur place, on vous attend. Donc en gros, oui, j'ai croisé le... J'ai croisé, voilà, la Sentencia, enfin je suppose que c'était eux, de toute façon ils sont pas 15 à avoir accès au point. Et ils ont voulu s'assurer que tout allait bien en me demandant mon identité, donc j'imagine que c'était pas des flics. Hein. Vous êtes sur place? J'aurais dit que j'étais Mistral. Oui, mais on est sur place, on vous attend. Elle a pas le point habituel non plus. Je t'envoie le point, Gemma. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Non, mais c'est parce que j'ai dit à Brandon tout à l'heure l'endroit habituel, et après il m'a dit, bah, et où? Je suis désolée pour ça. Ouais, t'inquiète. Ouais, comme surfeur, je me mettais dans la porte de garage tout en haut, il passe en long, il est pas trop large et assez discret. Ah bah oui, tu m'étonnes. Du coup, ça devait être pas mal. Où je n'ai que les GTO, et suffisait juste qu'il y ait un 4x4 parqué, je me mettais derrière. Et ça allait très bien aussi. C'est sûr, c'est sûr.
Il reste 100 dans la mienne pour toi si tu veux. Ok, et comme ça après tu peux la fermer à clé. Ouais. Faut penser à fermer à clé les véhicules. C'est fait. Bon bah je vais faire coucou à Doc le mien, des zoubis. Ouais. Ah bah zoubis. Quelqu'un veut un petit pet? De quoi? Quelqu'un veut un pet? Un pet? Ah mais putain, je suis très fatiguée. Non mais je pensais complètement à autre chose. Ouais, la fatigue est pleine présente. C'est, qu'est-ce que tu veux? J'ai fait 2000 de coke aujourd'hui. Au 2500, 2000-2500 toute seule avant que Paul me rejoigne. Donc, oh mais t'inquiète, je connais. T'es un habitué? Oui, je suis un habitué, mais bon, ça ne dérange pas. Oui, je sais. Mais bon. C'est vrai qu'à la fin de journée, c'est épuisant, c'est juste ça. Mais oui, sinon avec plaisir, ouais. Je vais pas te donner des pochons de coke, c'est inutile. Non, effectivement. Voilà, non, tiens. Merci. Gemma, t'en veux? Attends, je regarde dans mon sac. Vérifie si j'en ai pas déjà. Ouais, fais péter. Parlez-toi. De pétard, t'en veux? Pas au boulot, pas pendant qu'on bosse. Bon, après. Bon, après. Pour le retour? Bah, ça oui. Pourquoi pas? Mais oui, parce que vraiment, quand je fume, je vise pas bien du tout, donc je vais éviter. Oh, mais quand tu rentres tranquille. Tiens. Le dealer de Mistral. Mais du coup, ouais, Liam, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée au moment où j'allais rentrer dans la ruelle. Il y a un fourgon noir qui en sortait, avec des personnes en noir dedans, qui m'ont demandé qui j'étais et pourquoi j'étais là. Je leur ai dit que j'étais probablement là pour la même raison qu'eux. Ils m'ont dit oui, mais bon, on voudrait savoir qui vous êtes pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Je lui ai dit que si ma voiture était verte, c'était pas un hasard. Ils m'ont dit ok. Ça nous va. Et ils sont partis. Comme quoi, suffit de dialoguer. Hein. Et vous savez quoi, c'est un bon moment pour faire la compta. Alors. C'est ce que je faisais. C'est tellement le meilleur moment. J'ai toujours pas regardé avec toi, Liam, pour le truc d'armes.
Ah oui, c'est vrai. Mais c'est Jane qui gère les armes dans le groupe. Oui, Liam, je voulais pas dire pour la gestion des armes, mais en fait, c'est... Tu vois l'espèce de... Ce que t'as fait pour la compta des petits groupes, où achat Kevlar, PDC, chargeur, chalumeau, tout ça, où tu mets le nombre et ça te calcule le prix. Ouais. On l'a fait avec le prix pour nos petites mains, donc pour la main noire et pour les Lost. Mais ce serait cool d'en avoir un pour nous aussi, histoire qu'on... que quand on y va, on est juste à entrer, bah, on veut acheter tant et tant sans avoir besoin de calculer. Pas de soucis. C'est que là j'ai fait avec leur tarif, d'ailleurs les Lost on sait pas encore à quel tarif ils sont, je crois que c'est tarif de base pour l'instant. Pour l'instant, ouais. Du coup faut modifier les valeurs dans le tableau. Ouais. T'as accès à l'édition ? Je ne sais plus, peut-être... J'ai réussi à rentrer des dés, donc oui. J'ai accès à l'édition. Qu'est-ce qu'on a serré au fond de cette boîte? Comme des sardines. Comme des sardines. C'est quoi Edgy Aff? Quoi? Je sais pas, quelqu'un a répondu sur Twitter. E-D-G-Y espace A-F. Très bizarre. Poche pleine. Ah oui, moi aussi. T'en as encore beaucoup, toi ? Non, non, parce que... J'ai cru que la voiture n'était plus là. Pendant... J'ai cru que la voiture n'était plus là, ça m'a fort inquiété. On attend les autres pour que tu puisses la refermer derrière. Radio. Oui, on est là. Ah, mais elle parle à... Elle cherche la radio pour les supérettes. Ah, c'était la 59, normalement. C'était la 59, normalement. Il me semble, hein, mais je suis pas sûr. Oui. Par contre, il est fermé, mon... Mais... Il est fermé, mon... On l'a mis dans celui de Gemma. On l'a mis dans celui de Gemma. Ah, Gemma. Ouais. Attends, il va poser dans le tien. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il y a une voiture où je peux encore prendre de la coke ou pas? J'en ai, viens. Du coup, c'est bon, Gemma, il y a Brandon qui m'en donne, merci.
Ok. Tout ça, c'est ok. Bon, Nana au téléphone, il arrive. Putain, un copse qui m'appelle parce qu'ils veulent foutre ma BF en fourrière. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'il y a... Où, le chef a fait ses vitesses et Jane a sauté sa moto. D'accord. Attends, mais deux motos vont être en fourrière, c'est ça? Ah non, Jane, elle est juste tombée de la moto. Elle est juste tombée. Ok. Et elle va bien? Oui, c'est plus important. Elle passe au SMS. Ouais. Donc, on avait retiré 130 400 pour la chasseur vidéo de Ronnie. Il a pas de véhicule, Ronnie. Bonne question. Ronnie, il a une chasseur, V12. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Donc ça c'est bon. Par contre la voiture qui klaxonne en boucle, je vais câbler. Hein. Oui. Je comprends. Et c'est le moment de créer des petites cases supplémentaires. Let's go. Alors. J'irai couper le klaxon près de la voiture. Ah bah c'est bon. Il suffit de le dire pour que la voiture s'arrête. Tant mieux. Elle a été prudente, la voiture. Bon. Alors. Brendan, est-ce que tu peux me donner le nom de tes véhicules, s'il te plaît? Pour les recenser. Akuma. Ok. BF400. Ouais. Italie GTO. Journée. C'est quoi ça? C'est le gros camping-car. Ah oui, d'accord. Camacho. Ouais. Et Surfer. Je crois que c'est dans l'ordre, comme ça. Mais je crois que c'est tout. Ok. Donc. Et bientôt une Sanctus. Mais ça, c'est pas encore le cas. On va rester sur ce qu'on a déjà. Hein. Oui, il faudrait que je custo un peu mes véhicules avant d'en prendre d'autres. C'est pour recenser au moins. Ok. Mince. T'en as combien, toi, Gemma? 5, 6, je sais plus. Ok, attends. Déjà, je crée les lignes. Et ensuite. Ok, donc déjà tu as la goquette. Ouais. Comment c'est, je sais pas comment ça s'écrit, mais on va dire que ça s'écrit comme une goquette. C-O-Q-U-E-T-T-E. Ouais, donc comme une goquette. Ok. Ensuite. Donc, j'ai la félone. Ouais.
J'ai la Massacro. Ouais. J'ai le Rumpo Trail. Mmh. La Carbone RS. Ah, je vais comment ça? Ah oui, la Carbone RS, pardon. Carbon RS. Ouais. Et je crois que c'est tout. Ok. Moi, je crois que c'est tout. Ok, voilà. Comme ça, on a tous les véhicules de recensés. Les poches sont pleines. Presque. Tout peu. Mais pourquoi c'est bizarre? Non, on est en décalé. Mais. Moi, elles sont pleines. La dernière. C'est toujours la dernière arrivée. Moi, elles sont pleines. Bah, justement, quel rapport si je suis la dernière arrivée que j'aille plus vite? Je suis d'accord que la logique n'est pas présente. Ce n'est pas logique. Il reste plus que 10 kilos. Oh bordel, je veux pas savoir ce que vous parlez depuis je vous raconte le... Mais si, quoi? Je raconte. Il y a des choses qu'il vaut mieux pas savoir, je pense. Ok, ok, bah non, ça avance, on est à peu près à la moitié, je dirais, presque. Ouais, quelque chose comme ça, oui. Je switch radio. $1000 d'amende d'excès de vitesse. Jane passe au LSMS parce qu'elle est tombée. Ta moto est en fourrière, et du coup, le chef te paiera la sortie. Bon, après ça, je m'en fous, c'est surtout que je vais aller faire chier les flics pour ça. Parce qu'en soi, ils auraient dû me dire de venir la chercher et pas la mettre en fourrière directement. Brendan, on a oublié un véhicule. Mmh, oui. Oh putain, le Ranger. Le Ranger. Bah voilà. Le fameux. Je rajoute, hein, bien sûr. Comment on a pu oublier le Ranger? Je sais pas. Voilà, c'est corrigé. C'est corrigé. Je pensais que je le sors pas assez. C'est juste pour ça qu'on l'a oublié. Exactement. Comment... Franchement, c'est une honte. C'est une honte. Bon,
en tout cas, c'est cool. Le flic 3932, bah, c'est un flic qui ment. Parce qu'il a dit qu'il me rappellerait. Ah. 3932 mmh. Attends, ça me dit un truc, je l'ai peut-être, ça. Bon, je vais aller chercher donc depuis vendredi. Inconnu. Il est pas dans le document. Oui. 39-32 ouais, ouais, 3-9-3-2. Ça fait beaucoup de 9 et beaucoup de 2, mais d'accord. Bon, ça répond pas. Je vais rajouter les prix pour les Lost en termes d'armes. Donc, on a... Ah. Le seul prix sur lequel on va. Prix sur lequel pour l'instant je peux mettre vraiment une réduction, c'est les munitions. On va les mettre comme la mémoire à 100. Parce que... Oui, les Kevlar, bien sûr. Parce que morts ne servent pas à grand chose. Oui, exactement. Comme ils bossent pour nous, c'est tout à fait logique. Puis bon, pour ce que ça vaut un Kevlar, c'est pas dessus qu'on va se faire la marge de notre vie. Hein. Ça, et comme exactement. Les munitions, honnêtement, faut les vendre assez bas tout en faisant une marge. Mais assez bas pour que les gens ne veuillent pas acheter même des munitions légalement. Ah oui, ça oui. Et surtout ça, nous on les faisait à 125, ça nous fait 50$ de prime, entre guillemets, sur le chargeur. Et c'est 75$ de moins que les munitions. Donc les gens sont plus intéressés pour acheter chez nous que les munitions. C'est vrai qu'il y avait Richmond à un moment qui nous achetait des munitions, je crois. Oui. Je demandais à Paul. On a combien de balles dans un chargeur ? Alors, dépend du le type de chargeur. Si tu prends pour un petit flingue, je crois. Non, le calibre 50, c'est des chargeurs de 9 balles. Et pour du pistolet de combat, c'est du 12. Ok. Parce que j'ai l'impression de jamais en utiliser. J'ai vraiment 250 balles toujours dans mon flingue. Après, quand tu tires pas, c'est normal que ça s'utilise pas. Ouais. Ah bah, c'est pas faute de tirer avec. Moi, c'est un peu faute de tirer avec. Le petit dernier potion, c'est parti. Il me reste encore pas mal de coke en vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'en a plus du tout? Parce que moi, j'en ai encore 2 tournées complètes. Moi, je vais plus en avoir. Eh ben, je te donne une tournée complète, comme ça on a une tournée complète chacun. Ok, j'arrive, attends, fini de faire les pochons. Et me voici. C'est un gros bâtard. Mais tu m'as poussé!
passe quoi chez toi? 25 ici. Je dépose ça où? Dans le mien. Et tu as 100 dedans. 150, pardon. Donc t'as une tournée complète dedans. Et tu poses que là. Il en reste 50 dans le mien, je sais pas qui manque. Liam va s'en occuper. Hop, c'est pris. Du coup, il reste plus que ça, là, c'est la dernière fournée. Je crois que ouais. Gemma, Brandon, il vous reste combien? Brandon, 0, je viens de tout prendre. Non, mais à transformer. Pas dans le véhicule, à transformer. Moi, j'ai 200, Brandon, il a 150. D'accord. Mais toi, t'as 200? D'accord, donc t'as trop. Oui, enfin, ça ira. Ouais, putain, ils sont foutus. Gemma, t'as combien toi à transformer là? 400. Ah oui, donc t'en as encore un peu, ok. Alors, on répartira après. Donc c'est la dernière tournée. Oh bah tiens. Ça marche. De quoi, ici hein? C'est Sobot qui a le... 32-39? Ouais, c'est ça, c'est ça. D'après... Ouais, 32-39, rebonsoir monsieur Brun, officier Sobotka, vos deux véhicules vous attendent à l'Espidi. Bon, bah faut qu'on fasse un convoi en grandeur, on n'a pas le choix. Hein. Ah, mais je suis d'accord, on n'a pas le choix. Je vais le noter dans le document d'Oni, 32-39. Elle est où? Ah, mais c'est marqué 39-32 dans le document. C'est 32-39 ou 39-32? C'est 32-39 pour ce vodka, t'es zoubi. Non, c'est 39-32. Ah, c'est 39-32? Oui. Ok. 39-32, pardon. Ouais, donc y'a pas d'erreur. Ok. Bon. Du coup, on finit ça, puis qu'on aille chercher les deux. Ouais. Bon, si elle me demande le permis, je le grand cher. Je comprends. Alors. C'est grave si Max syncope ou pas, elle brûle. Qui ça? De quoi? Max syncope sur Twitter. Max syncope. C'est qui? Et pourquoi tu veux la faire brûler? Bah, vu comme elle m'a répondu au Sasuke. Ah. Me dit que peut-être qu'elle mérite la mort. Ah d'accord, c'est toi Zone. Du coup je cherchais ça sur son tweet, je regarde la photo qu'elle a mis où il y a un mec qui saute en l'air et je suis en mode pourquoi tu veux la faire brûler à cause de ça? Mais c'était pas ça. Non, c'est sa réponse. Mais écoute, que je sache, c'est tranquille. Hein. Bon, bah c'est bon alors. Bonjour, bonjour, c'est nous la Superette, si jamais. Donc faites gaffe. Entendu ou pas? Oui, bien reçu. Ça marche, The Rochette. C'est gentil de nous prévenir. Du coup, Liam, ouais, j'ai mis le... Merde, je me suis pas trompé, non, c'est bon. J'ai mis les prix pour les Lost. Ok, pas de soucis. Eh merde, je suis un connard, depuis tout à l'heure je travaille pas. Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement.
Pierre, tu nous fileras des trucs, on fera des échanges. Ouais. Ah, c'est bien ici, il fait quand même un peu meilleur qu'à la Med. Oui. On est oui. À un semi-intérieur. Oui. Attends, fais gaffe, ils font la supérette à côté. Ah. Je crois qu'il passait juste, je crois pas qu'il était en train de la braquer. Non, ils sont en train de la faire et il n'y a pas les sirènes. Donc je vais sur leur radio. Ça donne quoi la supérette? Puis il reprend déjà des pochons à Lyon, ah oui. Comme ça on échange. Qui est... Ah, tu veux que je prenne tes pochons? Ouais, je vais t'enfiler un petit peu. Non, toi tu peux me filer 40. Merde. 39. Alors attends, le temps que je les entasse dans mes bras. Oui, j'évite votre message, attendez, je parlais. Qui serait dispo demain soir pour un casse parmi vous? Pas moi. Non. Une question. Je donne à qui du coup? Je vais donner une partie à Liam. Moi je suis les poches pleines. Donc. Des nouvelles du coup pour la. Super. Là ils partent au merde. D'accord. Non. J'ai fini. Il te reste encore beaucoup? Moi j'en ai 248. Voilà, il me reste plus du tout de coke. Moi non plus. Donc tu peux m'en donner une centaine. Une fois qu'on aura changé de... On aura posé ce qu'on a sur nous. On va finir tranquillou. Moi, je suis plein. Moi aussi. Ils ont fini les super-aides. Merci. Il reste 10 kilos de libre.
Ok, il est plein. Moi, il est plein aussi. Et Gemma, toi, c'est plein aussi. Ouais. Moi, il me reste de la coke un peu. Moi, il m'en reste 52 qui en veut. Tu peux m'en donner un peu. Tu peux m'en donner une 20, 20, genre 25, c'est tranquille. Vous pouvez faire combien de pochons encore? Là, je peux faire encore 25 pochons. Moi, je peux en faire 17. Je peux en faire 25, donc tu peux en donner 50 en pur. Let's go. Moi j'ai de quoi en faire 16. Ok, parfait. Normalement j'ai de quoi en faire 35. Très discret, toutes nos traces dans la neige. Oui. Mais c'est inévitable. Putain, que je récupère les motos, je dois envoyer un message sur le répondeur de la LSPD maintenant. Mais pourquoi? Parce que j'ai pas de place. Ça veut dire bouge ton cul, gros sac. Oui, non, mais du coup, en fait, je vais être plein, il va me rester de la coke sur moi. Oui, mais moi aussi il m'en reste, donc faut qu'on arrive à répartir ce qui reste, parce qu'on est venu avec dans le coffre, donc il y a un couac. Moi j'étais venu avec 150 en plus dans mes poches. Oui, moi aussi. Bon bah moi je suis ça va s'équilibrer. Ça fait 75 par personne, plus les véhicules pleins, c'était bon. C'est juste quelqu'un m'a calculé quelque part. C'est pas très très grave. Là pour l'instant j'en ai 51. On verra bien jusqu'où ça va. J'en ai 66 sur moi et j'ai encore 76 coke. Ah oui. Donc il y a quelqu'un à qui il manque de la coke, tout simplement. Et moi j'ai encore un peu de place, t'inquiète. Ça va bien se passer. Ah, ça doit être pour toi alors, parce que moi je suis plein. Mais j'ai donné ma coke à je sais pas qui. Mais ça donnait. Ça doit être pour moi, oui. Parce que là je peux encore faire 18 pochons. Une fois que vous pouvez plus, ben 45 pochons, donc il me faut encore de quoi faire 30 pochons. Vous pouvez me donner 30 pochons. Voilà, moi je peux rien faire, donc je passe ma coque. Donne ta coque. Sinon, donne-moi 30 pochons, comme ça tu peux faire tes pochons supplémentaires. Moi j'ai 65 pochons, et il m'en reste 22. Donc ça devrait être bon. Mais non. Un de trop. Oui, je crois que c'est ça. Essaie de me filer un pochon. C'est bon. Et là, c'est bon. Ah non, t'as les poches pleines. Là, il m'en faut pas plus. Quelqu'un peut prendre un pochon? Ah. Attends. Je te dis ça dans un petit peu. Mais je crois que non, ça va pas pouvoir passer. Il me semble que je vais avoir pile poil. Moi j'ai 73 et il m'en reste 6 de cocaïne sur moi. Donc ça va bloquer. Oui, attends. Ouais, non, moi je suis. Pile à 75. Oh, mais il me reste 2 de cocaïne. Et tout le monde a 75. Moi je suis à 75. Tout le monde a 75 pochons. Est-ce que quelqu'un avait déjà de la coke sur lui? 75. Ce sera peut-être moi, j'en sais rien. Ok. Peut-être que l'un de nous avait déjà de la coke dans ses poches. Ouais, sinon tant mieux, on la mettra dans le coffre, c'est pas très grave. Oui, pour un pochon, voilà. Okay. C'est bon du coup, tout le monde est fini? Oh oui. Je m'ai pas fini. Non.
Vas-y, file-moi les deux que t'as. Attention, madame. Et voilà. Ouais, c'est bon. C'est logique. De quoi ? Mais j'avais deux chiffres pairs, et, enfin deux nombres pairs, et il faut arriver à 75, donc c'est pas possible. Donc c'est moi qui manquais deux. On aura fait à peu près 1200, okay. C'est ça? Ok, oui, quelque chose comme ça, hein, normalement. Je vais partir vers le nord. J'arrive, attendez. Marche arrière aussi. On attend le petit dernier. Tu pars en marche arrière, c'est ça? Non, moi je vais partir en marche avant. Ah, tu pars vers le sud? Non, non, je vais tourner ensuite et remonter vers le nord. Ah ok, bah moi je partirai du côté sud-est. Ça marche. Ah oui, j'ai oublié d'allumer le moteur. On partira pas loin. Bah après c'est pas compliqué, il y a un véhicule qui fait Nord Golf, un véhicule qui fait bijouterie et l'autre qui passe par Vespucci Boulevard. Attention, sirène. Je pars vers le nord, Golf, de mon côté. Thank you.
Tranquille, j'arrive au tatoueur de Vinewood, je viens de voir une patrouille passer à côté de moi. Non, c'est bon, je suis arrivé sans souci. Vous aviez déjà pris sur place tout ce qu'il y avait dans le coffre? Oui. Non, t'es juste trop lent, t'inquiète. Oui, c'est fait, t'inquiète. Oui, non, mais même dans le coffre de Gemma? Ah, dans le coffre de Gemma? Oui. Quelle rapidité. Qu'on parte. Quelle rapidité. Je viens de les prendre, là. Ah, d'accord, à l'instant, on est descendu. Oui. Oui, à peine t'as défendu que j'étais déjà dedans. Il a les mains rapides. J'en ai marre de toi. Il dégaine vite. Moi, je vais me changer. Oui, moi aussi. Bah, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on aille chercher mes deux motos. Faut ranger les véhicules. Oui. C'est pas les miens. Vous m'avez fait flipper ma race. Mais ça va pas te gueuler comme ça. Ça va pas te gueuler comme ça, toi. Radio 59. Bonjour. Bonjour, je vais chercher mes motos, moi, au commissariat. Ah, attends, viens, descends. Non, mais t'inquiète, sont comico. Elles sont comico, mais normalement, ouais, ouais. Pour ceux qui sont revenus quartier, montez dans le Ranger XL, on va aller faire un tour boutique de fringues et comico. Si vous voulez ton numéro, j'aurais donné pour bien les faire chier parce qu'ils sont. Ah, bah justement, c'est pour ça qu'elles m'attendent dans les Speedy actuellement. Et elles sont pas en fourrière du coup. J'ai assez fait chier, c'est bon. Écoutez, je vous laisse, hein, je travaille. Yep. Vous allez en avoir pour un petit moment parce qu'il y a les flics qui sont en full CP depuis tout à l'heure. Ouais, mais c'est qu'apparemment, faut passer au comico récupérer des trucs. Ouais, j'ai pas changé de radio. Ça va, les post-its. Genre les papiers pour sortir, tout ça, tout ça. Bordel, j'ai encore de la coke sur moi. Je viens de la poser. Bon, on passe quartier, hein. Je vais pas aller au comico avec 75 de coke dans le sac. Déjà, je changeais de radio. J'avoue. Des petits 75 pochons, là. Ah, oh, ça va. J'ai assez de garde à vue ces derniers jours. Je vous ai tapé 3 heures de fédé. Ouais, ça suffit peut-être au bout d'un moment. Assez fait chier comme ça. Elle a plus de moto. De quoi? Ah bah bonjour. Non, parce que maintenant quand tu fais un excès de vitesse, ils t'enlèvent le véhicule. Enfin, ils le faisaient pas beaucoup avant, mais maintenant ils le font. Oh, c'est nouveau ça. Ah, ils te l'enlèvent genre, ils te le mettent en fourrière, hein. Ils te prennent pas non plus quand même. Je pense que ça dépend de l'excès de vitesse. Hein. Moi, la dernière fois pour 5 km/h, on me l'a laissé alors que la personne après, on lui a enlevé. La procédure, c'est 30. Attendez, attendez avant de monter. Non, c'est bon. Ah. Non, mais c'était pour toi que je disais ça. Ah, non, c'est bon, c'est bon. J'ai juste de quoi mettre un petit peu, un tout petit peu d'essence. Tout le monde est dans le véhicule? Ah ouais. Oui, est-ce que dans le doute, Gemma et Lisa, vous avez vos permis moto? Oui. Est-ce que je peux poser ma coque? Ok. Est-ce que je peux poser ma coque? S'il vous plaît. C'est pas que je suis pas très à l'aise quand j'ai de la coke dans les poches, mais un peu quand même. On a tous de la weed sur nous.
Non, mais la 8, ça va, la coque, c'est différent. Attends, oui, j'ai posé mon PDC, j'ai peut-être le noter. Yes. Heureusement que je suis descendue, parce que sinon j'aurais pas remarqué que j'avais encore mon flingue à la main. Il est terrible. Il y a rien qui va, quoi. Entre la coque et le flingue, il y a rien qui va, quoi. Clairement. Je pense. 350 pochons de coque. Ouais. Bien. Ah, donc c'est ça, c'est qu'on a, on a. C'est nickel. C'est nickel, ça veut dire qu'on a bien, on a transfo les 2700 qu'on avait. À transfo. C'est parfait. Quoi tenir pour des échanges et pendant ce temps-là, on peut toujours stocker la récolte. Voilà. Ah oui, le gars, il y a les Lost qui m'ont appelé qui ont 4000 à peu près de salles si jamais tu veux les compléter. Eh bah, je m'en occupe. Ça marche. Ils veulent reprendre de la coque ? Je sais pas s'ils en veulent reprendre, ils nous ont dit tout à l'heure que peut-être, mais en gros, il y avait une erreur de calcul de leur part et du coup, ils veulent nous redonner un peu leur salle qu'ils avaient. Ouais, bah, ils donneront tout en même temps, on va pas faire 36 allers-retours par jour. Ouais, non, mais je sais pas en fait s'ils en revolent. S'ils revolent de la coque, c'est surtout ça la question. Donc, ils m'ont dit que cette semaine, c'est compliqué pour eux, donc ils préféraient juste blanchir, mais va voir avec eux et puis dire. Il y a le radar, ouais, je négocie tout ça. Radar sous le pont du LCS. Tout le tunnel qu'on vient de prendre, il y a le radar. Il est dans quel truc ? Sous le pont côté garage de droite. Ok. Oui, il est dans le parking en dessous du LCS. Non, l'autre. Celui à côté. Ouais, quand celui tu descends en fait... le LCS, t'as une entrée à droite. Ouais, voilà, c'est celui-là. Celui où tu peux aller du côté G6, à la limite. Radar dans le parking traversant en bas du LSMS, direction G6. Ça marche. Dans la défense du LSMS. Oui, du coup, moi, je pense une fois qu'on aura récupéré les véhicules, je vais aller me coucher. Ouais, moi aussi. SMS envoyé. Et dans le dark chat, il faut peut-être mieux considérer qu'on a encore le 22 parce que sinon ça va mélanger les soirées. Ah oui. Ouais, pas bête, j'ai pensé très large, mais. J'ai peut-être vendu devant Johnny. Je dis ça besoin. Bonsoir, on vous entend pas encore pour l'instant. Oui. Je dis si t'as besoin. Oui, c'est bon. C'est moi pour les motos. Les bonnes motos sont stationnées dans notre parking. Je vais vous les sortir juste à l'extérieur là et puis vous pourrez les récupérer. Bien sûr. Voilà, comme économiser 400 balles. Nickel. Oui. Ça marche. Bon, je viens d'avoir la main noire. Échange aussi. Ah, d'accord. Pas à faire tout ce il m'envoie les chiffres comme d'hab. Ah, mais du bien là de retrouver les échanges, ça fait 4 jours que je fous rien, 5 jours. J'en peux plus. Je suis toujours actif à l'aéroport et je crois que j'ai une ouïe de ouf parce que je crois avoir reconnu une voiture de fille. Eh, ils avaient ramené ici carrément. Moi j'ai vendu devant Nouvelle Ouest chez Johnny et j'ai réussi à m'échapper donc pas de soucis, c'était à la plage. Okay. Bon, pour le moment, il a pas demandé le permis. Pour le moment. Pour le moment, c'est bon. Bah c'est rentable une fois de pas l'avoir, pas deux. C'est ça. Ouais, mais pour ça qu'il faudrait que j'aille le passer, mais j'ai jamais le temps d'aller le passer. Je comprends. Bon, il y a aussi une certaine flemme d'aller à pied jusque là. Ah oui, non mais tout à fait. La flemme de demander à quelqu'un de me déposer. De déposer, bien sûr. J'ai coupé les couilles, par contre. Oula, oula. C'est toi au motel, je sors la drogue, j'ai mis l'argent dedans, je récupérais de la meth, et là, quelqu'un a pris la moto. C'est pour ça que je passe par un coffre plutôt que le coffre du motel. Bon, du coup, qui veut prendre les motos ? Je suis partante. Et voilà, vos deux motos sont là. Vous pouvez la récupérer, c'est pas pour rien. Ok, nickel, merci. J'ai ma moto ou voiture ? Peu importe. Oh, bah, comme tu veux, si t'as envie de conduire le Granger, autrement. Ouais.
parle toujours de vous. À part si les flics arrêtent de me pite, moi. Tu viens de te faire pite par les flics? Quasiment, oui. Où ça? T'as pas entendu dans l'école? Ah bah non. Eh ben. C'est pas grave, bien ou pas? Non, vous en faites pas, vous en faites pas. Vraiment, j'adore les akumas. Je connaissais pas vraiment avant que t'en aies une, Liam. Mais entre la tienne et toutes celles qu'on a eu piquées autour du motel, je la trouve incroyable. Ouais, je suis encore là, j'ai retourné ma caisse, je me déteste. Elle est d'une souplesse. Ah ouais, c'est trop bien. Elle prend un peu de temps parce qu'en fait, elle est longue à la réaction au départ. Oui, mais après c'est nickel. Mais une fois que tu connais le temps de réaction, oh bah alors là, c'est parfait. Tu prends n'importe quel virage, tu... Franchement, la freeway, je m'amuse à slalomer entre les camions et les voitures, c'est un délice. Bah, tu vois, au départ, je trouvais souvent, parce qu'elle est un peu dure à prendre en main, mais après, un gros kiff. Surtout ouais, qu'elle va vite, très vite. Ah oui, ça, elle monte. Elle a une accélération d'enfoiré un peu. Elle monte très bien. Mais tout en restant très souple et très bien sur à manier. Après, le tout-terrain, bah, c'est l'horreur. C'est pour ouais, ça que la BF, c'est le bon entre-deux, c'est génial. Oh, mais non, mais la BF, tu... j'en avais une avant, je l'adorais, mais tu prends des virages de 15 km de large avec, elle a pas de souplesse. Elle est beaucoup trop raide. C'est le problème des motocross en général, mais... Mm. Ah, alors, la main noire, 12008 et 4548. Est-ce que quelqu'un peut... Est-ce que je peux emprunter une voiture pour passer vite fait, déposer un truc au SNS? Ouais. Et après, je vais me coucher. Bien. Let's go. J'y vais en camping-car. C'est nickel, à tout à l'heure. Oui, oui. C'est normal que 12 minutes de vente pour la main noire, on leur avait donné si peu de coke. On leur avait donné 200 seulement parce qu'on n'avait pas assez, okay. On n'avait pas plus, on n'avait plus rien. Donc ça doit couler, ouais. Ok, c'est une des filles que je viens de croiser. Je reviens dans 2 minutes. Par contre, ne pas faire un excès de vitesse avec la GTO sous le pont du LSMS, ça va être coton. Oh, tu mets le limiteur si tu veux absolument pas en faire. Un limiteur sur une GTO, c'est criminel. Respecter les limitations avec une GTO, c'est criminel. Le problème, c'est que je pense que si t'en mets un, il saute directement vu comment tu peux faire. J'ai passé au LSMS, je me suis pris une balle par un connard. Ok. Oula, alors... Doucement. 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 On fait un point et on va aller voir les lasses. Doucement. La main noire, pardon. Doucement. On se retrouve tous ce matin, tu veux dire? Bah pour ceux qui veulent ou les autres qui viennent à vendre. Je continue à vendre. Ouais, pareil. Moi sans doute la même après le LSMS. Attends, du coup, j'ai pas compris. L'os ou main noire? On va voir la main noire. Il y aura sûrement les losts après, ou je sais pas. Je crois qu'ils voulaient juste du blanchiment. Et parce que les losts, vous leur avez déjà fait de la coke aujourd'hui. Bonsoir, madame Lula. Bonsoir, monsieur Kingston. Ils voulaient seulement.
souffler à qui? Et on a aussi permis savoir le quiproquo par rapport au blue. Temps qui restait ou je sais plus combien, enfin bref. À qui? Nous des blue. Ok. Je pense pas que ce soit vraiment approprié de m'excuser directement. Je crois qu'il a effectivement vu faire un excès de vitesse. Je suis en train d'inspecter ma voiture en vitesse, si tu regardes bien. Faudra pas repartir avec. Ouais, je comptais pas repartir avec. Mais ouais. Je putain, le mec a tiré une balle, il m'a mis une balle dans le ventre et une balle dans l'épaule. Très fort. Il est très fort. Mais oui, je pense que c'est pas forcément. Je pense que c'est pas forcément très approprié de s'excuser directement, mais avec des fleurs, c'est. Je te laisse pas devant, moi j'irai juste après. Hein. Plus, ouais, ça marche. Mon côté vanouille, j'ai du monde, mais ils me veulent pas. Bonsoir. Je peux faire quelque chose pour vous? Je vous ai amené ça, c'est je vous ai amené du cyprès pour vous et pour Titien. Ok, ouais, d'accord. Oui. Merci. Ok. Ouais. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Merci. Un véhicule de 45 kilos, s'il vous plaît. J'arrive. Emma est dans le hall. Ok, bon, bah je vais attendre alors. Ouais. Du coup, tu as besoin que je te ramène? Non, t'inquiète pas, je me débrouillerai. Ok. Faudrait faire, je suis même pas sûr que la balle est pénétrée. Bon, faudra voir. Moi, je vais pas rester 15 ans à attendre. Je vais juste attendre que. Pardon, j'en vais rien. Je sais pas, casse les couilles. Ouais. Oh, petit club. Je te laisse, je vais rentrer à l'hôtel parce que je vais me coucher. Ok, bah, bonne nuit, dors bien. Toi aussi, bon courage. À la prochaine. À la prochaine. Est-ce que Brandon est toujours au motel? Oui. Ok, parce que je ramène sa GTO et je vais me coucher. Doucement, doucement. Je m'efforce de rouler doucement. Léger. Tout doux, tout doux, tout doux. Oh, c'est tellement tout doux. Allez, on arrête d'être tout doux. Je vais mettre au radio le temps d'être les SMS. Ça marche. Merci. Pas de soucis. Du coup, je vais me coucher. Je vous souhaite bonne nuit et bon courage. Bonne nuit. Allez, faites bon rêve. Bon courage pour les échanges. Bonne nuit. Ouais. Salut. Dis qu'on lui croit. Tu vas te coucher, toi, Gemma? On peut avoir quelqu'un pour conduire un des véhicules, s'il vous plaît?
Tu vas pas, sinon je peux gérer, je suis en mode. Je suis pas loin, t'inquiète. Faut juste que la personne se change, on vous attend. J'arrive, je suis fringué. Et bonne fin de stream à tous, bonne nuit.